Aïe. Bah non, c'est verrouillé, frérot. Mais quoi, tu l'as ouvert? Mais fils de pute. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais il a pas de bras, il a pas de bras. Ça c'est fait, merci pour la bagnole. Parce que je te dis la vérité, moi, je suis la proie préférée de tous les hommes de Paris. Salut. Yo. Tu vas, toi, jeune beau mec. Ah. On y va. Tu veux être mon ami? Bah ouais, je veux bien. J'ai pas d'amis, moi. Bah on va pas prendre cette voiture. Tu veux qu'on parle dans les montagnes ou pas? Je veux qu'on parle, toi et moi. C'est la première fois que je rencontre une personne gentille et qui m'écoute. Ah ok. Dans la vraie vie, j'ai pas d'amis. Et quand je suis sur GTA, les gens ils se moquent de moi parce que j'ai une voix comme ça. Ah. Vas-y, tu veux qu'on parle dans les montagnes? Oui, on va discuter, toi et moi. Tu veux être mon Vas-y, ami? Vas-y, viens. Ouais, bah je veux bien. La grenade dans la gueule, ce bâtard. Ah, t'es qu'à l'égide. Ce qui m'a mis. Oh, c'est fermé, c'est ouais, fermé. Je suis là, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Mais vous pouvez pas faire une exception. Non, je dois y aller. C'est fermé. S'il vous plaît. Monsieur, attends, je vais parler à lui. Attends. Quoi? Ouais, moi j'avance, hein. What, c'est quoi ça? C'est qui a fait ça? What? Enfin un mec qui fait des explosions. Le retour des explosions. Alors comment on se retrouve? C'est moi le youtubeur. Je vais t'attaquer à la maracas. Regarde, je te diffuse. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vas me faire quoi? Hein? Regarde les muscles. Regarde les muscles. Suce mon sein. Dans le cul, là. C'est pour te mettre dans le cul, sale pédé, hein. Tu vas faire quoi? Respecte les musulmans. Respecte les musulmans et les arabes. Les musulmans, je leur pisse dessus. Respecte les noirs musulmans. Je te mets le feu à une mosquée, 300 mètres. Je prends d'une batte, qu'est-ce qu'il y a? Ah, va ta prière à la tartare. Respecte les mosquées, les musulmans de France. Nardine moque, va baiser ta prière. Nardine moumoune, wadda'al adad, wal'abad, wazouarad. Wadda'afad, wal'kafir, wal'kafir, wal'kafir. Régis? Que ça peut te foutre? T'habites pas dans des toilettes, Régis? Non. Ah, parce qu'on dirait que t'es un peu dans des toilettes quand tu parles. Hein? T'es pas gentil. Bah quoi, c'est vrai. Dire la vérité dans la vie. Je suis pas d'accord. Pas mal. Allez, déploie, Régis. Une bouche à pipe, t'es belle. C'est pas vulgaire. Pourquoi tu dis ça? Je comprends pas trop ce qu'il dit. Tu t'es jamais fait bouffer le cul? Oh non. Ah non? Mets-toi ça dans le cul, ça va faire du bien, connard de robeux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est R7 U Z ZZZ. Mais j'en ai rien à foutre. Il a oublié. Oui, j'ai déjà vu, c'est un cinglé. Ouais, c'est, ah oui, cinglé, il était en... c'est un musulman, c'est un cinglé. Voilà, mets-toi là et arrête de bouger parce qu'on est en train de parler. On fait du. Mais attends, on va tout en haut comme ça, on va les regarder. Il casse les couilles, sérieux. En fait, je crois qu'il est mono. Il est mono-move hein, dans le RP. On va se remettre au même endroit que tout à l'heure. Les gars, je crois que j'ai compris ce qu'il fait en fait. Je crois que vous-même, vous aussi, vous l'avez compris. En fait, il provoque des mecs avec son véhicule. Il a dit, vas-y, je te propose une course. Et son RP consiste à monter là-haut comme ça avec son véhicule tout terrain. Et il nargue les gens. On peut descendre pour parler si vous voulez. Il fait que ça, là. Why? Qui a fait ça? Why? C'est quel ultra qui a fait ça? Why? Aïe, ne bouge pas. Comment on est arrivé là? Pas en Afrique, ça correspond pas. Non, pas en Afrique. Par contre,
Nazim, ouais. Nazim, ne mets pas les arabes parce que tu vas avoir que des problèmes. Les gens vont mal le prendre. Déjà, il y a assez de problèmes comme ça, ils n'ont pas beaucoup d'humour. Par contre, tu peux dire, je fais mon premier meeting. Bah, les gars, je crois que vous allez devoir rentrer à pied. Je suis désolé. Non ! Elle avance plus, la voiture. Oh non ! Essayez, mais moi je peux avancer. Ah si, vous, ça marche ! Je l'abandonne. Ah bye ! Je sais pas, il y a combien de gens qui regardent ton live. Bah, moi, ça va faire un boom. J'ai couché avec beaucoup de femmes. Tu sais combien de femmes j'ai couché, moi ? Bah, tu vas me le dire, parce qu'on dirait que tu veux me le dire. Oh, plus de 500. Plus de 500, facile. J'ai eu qu'une fille. Et ça fait quoi d'avoir couché avec 500 femmes ? 500 ? Bah, j'en suis pas fier. Si vous souhaitez, on peut vous aider à avoir un cheval, à avoir des habits c'est peut-être. Bon un ça, peu plus mais propre, c'est bon ça. De quoi vous acheter des habits, de vous donner à manger. Il y a une question là. Vous avez un art de combat ? Là, le monsieur là, c'est votre noir de combat, le monsieur là. Mon arc de combat ? Votre noir de combat. Tout en je blanc normalement constitue un noir de combat. Je ne saurais pas vous dire, monsieur. Si, ce noir là, lui là. Oui, oula, pas de ah, pardon, bah désolé, là, ça j'ai là. Pas fait exprès, madame, désolé. Oula, ça va, monsieur, ça va, monsieur? Oula, il est parti où, oula. Il est parti où? On évite la prochaine fois. Faut que tu tiennes le regard. Quel genre de question? Regarde pas l'écran. Me concernant, te concernant, ou dans ta vie? Bah, un peu de tout ce que tu veux dire. Tout ce que t'as dit, je... Il y a deux choses, c'est soit tu joues un rôle... Bah oui. T'as envie de mourir de rire. Bah oui. Et franchement, je trouve ça mignon parce que t'as une sensibilité intéressante. Au début, ça avait bien commencé. Hein, c'est dommage qu'il regarde l'écran, le stream. Soit t'as un don d'adaptation qui est incroyable et t'es doué. Mais si t'es réellement... Merci, Jeanne, t'es adorable. Mais si t'es vraiment sincère, bah, je te laisse continuer. Dis-moi. Qu'est-ce que t'as envie de continue, me dire continue, je sens qu'il y a un truc qui veut sortir. Bah en fait, j'ai l'impression que t'en es et j'ai peur de te poser la question. Et qu'on se dis-moi. Ne perds pas de temps. Bon, il n'y a pas un mec qui veut venir le buter, là, le gars, genre Régis ou je sais pas, qui sert à quelque chose, là. Mais sérieux, quoi. On passe à autre chose, là, vraiment. Qui nous termine. Voilà ce que je veux voir. Ah, merde. C'est quoi ça? Mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, les deux sont morts. Non. Ah, non! Putain! Voilà! Bon. Il va se relever. J'ai pas pris une balle perdue dans la gueule là! Il va se relever. Bah j'ai raté! Mais arrêtez! Mais il est ouf lui! Lève tes mains! Bah attends, je lève les mains! T'as un pistolet dans la main! Tu fous de ma gueule ou quoi? La merde, vous êtes complètement zinzin! Cela m'intéresse pas. Mais en tout cas, t'as l'air vraiment humainement d'être quelqu'un de bien. Mais ça dérange pas qu'on aille boire un verre ou juste un verre ? Ce qui me dérange, c'est que t'es en train de tourner autour du pot et que j'essaie de te faire comprendre que c'est non et que tu insistes. Bon. Je le prends pas mal, hein. Non, mais tu me bâches, quoi. C'est ça. Enfin bref, je passe pas de souce. Suce-le, je sais pas. En tout cas, merci à toi, Melvin. Il fait le mec, bon, il nous faut un autre quai de combat. Et prends soin de toi. Friendzone aide. En tant que vous avez la 5G, moi je voulais. Moi, j'ai changé après 3 ans. Parce que moi je voulais absolument le 120 Hz et la 4G, quoi. Donc voilà, quoi. Ça marche pas, ce téléphone ! Il est en égo, enfin. Ça commence. On vit dans une génération où le mot je t'aime a réellement perdu de sa valeur, où la place à la communication se perd énormément, où les relations sentimentales ou même amicales sont basées de dominants à soumises ou de dominantes à soumis. Où maintenant, on est dans une société où c'est de la perdition. La sexualité, la pornographie a pris le dessus sur nos adolescents, là, nos frères, nos soeurs, nos cousines. J'en passe, c'est des meilleurs, hommes et femmes. Où maintenant, apprendre l'humain pour ce qu'il est, son univers. En fait, il faut travailler un peu, il peut être divertissant. Qu'est-ce qui t'a blessé? Quels sont tes vices les plus grands aussi? Quelles sont tes plus belles qualités, se perd énormément. Le monde du virtuel a rendu de plus en plus de gens, et moi-même aussi. Ça marche pas. Ça marche pas ! D'accord. Oh putain.
que je sois en live sur YouTube ou pas. Dans ce cas-là, si je suis réellement en live, bah, je vais vous faire partager des choses. Ah oh. Que ce soit le cas ou pas, c'est pas grave. Si réellement il y a un groupe qui souhaite me diffuser, allez-y. Vous êtes mal tombé sur moi, moi je vous le dis. Ah, vous n'allez pas me faire flancher, ça va être marrant. Enfin des photos de queue. Et je pense que vous n'êtes pas prêts. La chatte à ta mère, t'es trop inculte. La vie, ma mère, tu parles trop. Vas-y, ferme ta gueule un peu. Tu veux représenter la France, tu veux faire le blanc. Mais tu fatigues au bout de 10 minutes à ouvrir ta gueule. On dirait que t'as sucé 1000 bites en même pas 2 minutes. Espèce une fois, elle a pas tort. Voilà, t'es fatigant, frère. Moi, je t'écoute depuis 10 minutes. Moi, j'ai fait ci, moi, j'ai fait ça. Mais espèce de pute, t'as mis des doigts dans le tarmac dans la chatte à ta mère quand elle a fait à 22 cm par la bite de ton daron et quand elle a fait un tarmac à un bébé comme toi. Espèce de fils de pute ou pas? Et terminé, nique ta grand. Ah non, y'a pas la guerre, non, hein, justement. Ouais, non, non, pas du tout. Ouais, non, Shox, comment tu vas? Non, Shox, comment tu vas? Eh, hey, prochain major, je compte sur toi. Ok? Déconne pas. Ok? Déconne pas. Voilà. Elle a été. En plus, le démon, il m'a parlé à travers elle. Il voulait me pas de mal, mais à mon avis, c'était un démon gentil, mais voilà. En fait, j'avais. Même le démon avait la pitié pour moi parce que j'étais trop gentil. J'avais envie de lui dire, j'ai dit, écoute, t'es un démon, dégage de chez moi. Mais non, j'étais trop faible. J'avais peur qu'il me saute dessus et qu'il s'empare de mon âme. Tu me fais peur. Mais ouais, écoute. Hein. C'est passé, ça date, il y a quoi? Il y a 2 ans. Hein. La reconquête de notre identité, la reconquête de notre souveraineté, la reconquête de notre pays, notre existence en tant que peuple français n'est pas négociable. Nous défendons notre pays, notre patrie, l'héritage de nos ancêtres et celui que nous allons confier à nos enfants. C'est qui ça ? Ce peuple français qui est là depuis 1000 ans et qui veut rester maître encore chez lui, 1000 ans encore. La France est de retour pour le peuple français. Ah, il s'est fait buter. Avec la petite musique derrière. C'est le Z. Sur mon canapé, carrément. Ouais, bah oui, si tu veux faire quelque chose, il faut forcément que tu prennes quelque chose en lien avec ça. Désolé, mon canapé, tu m'as coûté 450 euros, mais quand même. Bah ouais, mais après, c'est important de... C'est le prix de la tranquillité, là. Adama. Enas. E-N-A-S. Adama quoi? Suite. Enas. E-N-A-S. E-N-A-S. N-A-S. Et ensuite, Poul. P-O-U-L. Adama Enas Poul. C'est la fin de la vidéo. Et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche.